Dieu vous bénisse et vous protège. Qu'il pose son regard bienveillant sur vous tous. Qu'il guide chacun de vos pas à compter de ce jour et jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Et quand viendra la dernière heure, puisse le Seigneur vous accueillir en son sein. Amen. Oh, où en serions-nous s'il n'y avait pas certaines femmes pour dire des prières à notre place? Oh. Moko, la voie est libre. Alors filons, en route, allez! Je vous en conjure, capitaine, restons encore un peu ici. Gaël sent qu'il y a un danger. Et moi aussi, j'ai un très mauvais pressentiment. Notre destin est déjà tracé depuis longtemps et rien de ce que nous ferons ne pourra l'infléchir. Alors, allons-y. C'est une technique éprouvée. Quand il y a trop d'Espagnols, faut filer à l'anglaise. Tu sais être fin quand tu veux. Fin du voyage. À la chasse, les gars, pour l'amour du capitaine et du pavillon noir. C'est très gentil, Doublon, mais le temps presse. Laissons-les. De quoi il retourne? Jette ton épée, il ne te sera fait aucun mal. Venez la chercher si vous osez. En avant! Oh. Hé, hey, Carmo, Skiller! Quelle poisse! Rends-toi, tu es fait! Je préférerais mourir que de me rendre! Venez m'attaquer si vous en avez le courage. Je vous attends. Eh, ça va être un jeu d'enfant. Allons-y. Ah.
Tu te rends compte de la chance qui s'offre à nous en capturant le corsaire noir? On est assuré d'avoir une médaille. Vous pouvez toujours rêver. Allez! Carmo, Hans Stiller, venez vite, aidez-moi, je me vide de mon sang, je vous en prie. Yara, qu'est-ce qui... Ah ! N'essayez surtout pas de vous lever, monsieur. Il faut absolument que vous restiez tranquille. Vos plaies commencent tout juste à cicatriser. Yara, qui m'a emmené dans cet endroit? Et où sont Carmo, Van Stiller et les autres? Et où suis-je? Ne vous inquiétez pas pour vos amis, monsieur. Pensez d'abord un peu à vous. C'est vous qui êtes blessé. Les autres sont tous sains et saufs. Quelle joie de vous voir à nouveau sourire, capitaine. Bien le bonjour à vous, capitaine. Heureux que vous retrouviez le monde des vivants, vous nous avez manqué. Ça y est, ça me revient petit à petit. Je me revois combattre, prendre un coup d'épée et ensuite... Ensuite, j'ai dû perdre connaissance. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé après? Manuel, moi-même et deux autres serviteurs vous avons transporté ici. Regardez, il a été blessé à la poitrine. Il faut que je lui fasse un bandage avant qu'on puisse le déplacer. Voilà, vous savez tout à présent. Et Carmo et Van Stiller dans tout ça, où sont-ils? Tu es certaine qu'ils vont bien? Ils sont tous ici. Et à part quelques petites égratignures, ils sont frais comme des gardons. Ne vous en faites pas pour eux. Ah.
Je t'en remercie, Rome. C'est une délicate attention. Pour que vous soyez au courant de tout, Carmo et Van Stiller surveillent l'entrée principale et Moko s'assure que personne ne débarque par le passage secret. Quelle est la situation dehors? Est-ce que la maison est cernée ou... Je suis désolée, monsieur. Mais je n'en ai aucune idée. Vous étiez si mal quand on vous a emmené que je suis restée à votre chevet. Je te remercie du fond du cœur, Yara. Si je réchappe de cette épreuve, je te devrai la vie. Oh. Et si il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi? Même si je vous demandais de me venger? De te venger, mais de quoi? Vous faites un pas de plus, on fait tout sauter! Ne prêtez pas attention à ce qu'il dit! Gonzalez, vous m'encerclez la maison avec vos hommes! À mon commandement, défoncez-moi cette porte! Je vous en prie, monsieur, il ne faut surtout pas vous lever, c'est dangereux. Laissez-moi y aller. Il faut que j'aille aider mes hommes. Laissez-moi. Je dois leur venir en aide. Restez tranquille, capitaine. Tout va bien. Vous n'avez pas à vous en faire pour nous. Restez couché, reprenez des forces. S'il y a le moindre problème, on s'en charge. Vous ne pourriez pas être mieux entouré, capitaine! Mais si vous voulez savoir ce qui se passe à l'extérieur, du haut de la tour, vous avez une vue exceptionnelle. Yara, j'ignore pour quelle raison mystérieuse le destin a décidé que nos chemins devaient se croiser, mais je l'en remercie. Je ne te connais que depuis quelques heures, et c'est déjà la troisième fois que tu me viens en aide. Moko, Von Stiller, on va transporter le capitaine à l'étage! Venez vite! Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Tu peux voir le bateau. Comme si j'y étais, capitaine. Ah, c'est le plus beau navire de toute la baie. Il faut les empêcher de monter à l'étage, édifier une barricade. Von Stiller et Moko travaillent déjà dans ce sens, mais je leur ai dit de détruire l'escalier de bois à la hache et de se rapatrier ici avec le fruit de leur labeur. Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu es allé imaginer? Je me suis dit qu'on pourrait se servir du bois pour allumer un feu et envoyer des signaux à Monsieur Morgan et au reste de l'équipage. Bravo, je trouve que c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont les coups de hache de Van Stiller et Moko? Désolé de vous décevoir, capitaine, mais ce sont les Espagnols qui s'attaquent à la porte d'entrée. Avant qu'ils nous assiègent, on devrait peut-être monter des vivres. Et de l'eau! Ah, j'ai bien compris le message, espèce de dépravé. Il te faut quelque chose de plus costaud à toi. Ne vous en faites pas, mes amis. Il y a à manger et à boire pour un régiment en bas. Les Espagnols seront dans la place d'une minute à l'autre. Cette petite n'a pas froid aux yeux, c'est un modèle de courage. Suis-la quand même. À vos ordres, capitaine. Va jouer les gardes du corps. Merci beaucoup, Leila. L'aide que vous nous apportez, ta panthère et toi, nous est extrêmement précieuse. Une seconde, les gars! Il faut qu'on aille se chercher un maximum de provisions avant de détruire l'escalier! La porte va céder. Plus un geste, ne bougez plus! Non!
À mon avis, ce qu'on devrait faire, c'est construire une barricade ici pour les retarder. La vérité sort de la bouche des enfants. Allons-y. Avec tout le mobilier qu'il y a ici, on devrait pouvoir faire quelque chose de solide. Ces imbéciles sont en train de bâtir leur propre tombeau. Ton aide, Gaël. Déblayez ça immédiatement et rendez-vous! C'est votre seule chance de survie! On les provoque. Ça va être marrant. On se calme, Troufion! Ce n'est pas notre faute si vous arrivez après la bataille! Alors, mollo! Je vous défends de m'appeler Troufion. Je suis officier de l'armée espagnole et j'exige de parler au corsaire noir. Oh, je suis désolé. Il se trouve qu'actuellement, il est très occupé. Non, navré. Repassez la semaine prochaine. D'après les informations qui me sont parvenues, il est gravement blessé et serait entre la vie et la mort. Le corsaire noir est en bien meilleure forme que je ne le suis. Quant à vous, Troufion, il vous en remontre quand vous voulez. Et si vous insistez, je suis disposé à lui transmettre un message. Après tout, je suis son ambassadeur extraordinaire. Cessez vos plaisanteries. Vous avez la parole du vice-roi que vos vies seront épargnées. À une condition. Oh, à une condition. Oh, écoutez, mes amis et moi, nous ne sommes jamais contre une bonne blague. Alors je vous en prie, on vous écoute. Et alors, Troufion, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue ou tu as oublié la chute? Engagez-vous à nous céder votre navire avec tout l'armement et les munitions qui se trouvent à son bord. Et vous sortirez libre d'ici. Je n'ai pas besoin de consulter le corsaire noir pour savoir ce qu'il en pense. Laisse-moi le temps de trouver une formulation adéquate et je te livre la réponse du capitaine. Vous serez tous pendus pour ça, bande d'ordures! Ça risque d'être compliqué. Vu le grand déblayage qui vous attend. Carmo! Ce ne serait pas les canons de la fulgurante, ça? Vous croyez que c'est Monsieur Morgan qui nous envoie un signal? C'est possible. D'un autre côté, il se pourrait aussi que les Espagnols aient lancé une attaque. Un peu d'air! C'est le signal d'alarme du fort. Il faut vite qu'on les attrape! On n'a plus rien à faire ici. Rejoignons les autres dans la tour. De là-haut, on pourra voir ce qui se passe dans la baie. Plus vite! Allez! Dégagez-moi ça! Ah, j'ai encore deux mots à dire à nos invités de luxe. Je me permets une dernière petite remarque, Troufion. Si vous réussissez à vous frayer un chemin à travers ce tas, vous serez obligé de passer en file indienne et on vous descendra les uns après les autres. Tu feras moins le malin quand ton corps se balancera dans le vent. Ponce à la corde. La ceinture de mon fourreau suffira. S'il est assez épais et que tu arrives jusqu'à nous, je m'en servirai pour t'asséner une volée de coups là où ça fait le plus mal. On verra ça. Qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde au travail! Allez! Ils sont partis depuis des heures. Van Stiller, Carmo! Encore quelques coups et ils devraient s'écrouler. Une minute. Laissons les marches du haut. Comme ça, on pourra redescendre facilement si besoin est. Oh. Thank you.
C'est parfait. Nous voilà à l'abri. Soldats, en avant!